Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous verrons comment il est possible de récupérer vos différentes photos que vous avez eu à supprimer sur WhatsApp. Alors, c'est une astuce qui passe beaucoup et vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver même les photos que vous avez eu envoyées depuis des années, même si vous l'avez supprimé de votre galerie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et aussi d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons pouvoir retrouver une de nos photos que nous avons eu à supprimer sur WhatsApp. Donc, si toi aussi tu es dans ce cas-là, que tu as eu à supprimer des photos que tu cherches, tu vas te rendre dans le gestionnaire des fichiers de ton téléphone. Voilà, gestionnaire des fichiers de ton téléphone, c'est un peu la base de données qui comporte tous tes éléments, que ce soit les photos, les vidéos, les images, les applications et tout. Tu dois trouver ça normalement dans ton téléphone avec ce logo-là. Voilà, ce logo-là, comme des dossiers à l'intérieur, avec le nom gestionnaire des fichiers. Donc, à toi de regarder ton téléphone. Une fois que tu as vu, tu rentres à l'intérieur et tu viens où c'est marqué tous les fichiers ici. Voilà, tous les fichiers tu as pu et tu viens dans stockage interne. Ici à ce niveau, si tu as une carte mémoire dans ton téléphone, tu dois voir stockage interne et ici en bas, tu dois voir SD pour dire carte mémoire ou bien c'est écrit même carte mémoire dans d'autres téléphones. Voilà, ça dépend un peu du téléphone que tu as. Donc moi, je n'ai pas de carte mémoire, raison pour laquelle vous voyez que c'est marqué stockage interne. Donc si vous voyez deux éléments, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous avez eu une carte mémoire qui s'associe deux éléments. Donc, vous venez appuyer sur stockage interne. Arrivé dans stockage interne, vous allez venir appuyer sur la loupe qui est là. Vous voyez la loupe qui est là. Vous appuyez dessus. Et ici, vous allez mettre votre WhatsApp. Si vous utilisez le OG WhatsApp, vous allez écrire OG WhatsApp. Si vous utilisez le WhatsApp simple, vous allez écrire WhatsApp. Moi, j'utilise le OG WhatsApp. Donc, je viens mettre OG WhatsApp. Voilà, vous voyez, c'est marqué OG WhatsApp et vous lancez la recherche. Là, vous allez patienter. On patiente que ça cherche le fichier OG WhatsApp. Voilà. On patiente. Okay. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous écrivez OG WhatsApp, ça va vous donner plusieurs fichiers. Ça va vous donner le OG WhatsApp audio, le OG WhatsApp animate GIF, le OG WhatsApp voice note, le OG WhatsApp vidéo. Voilà, donc c'est plusieurs fichiers de OG WhatsApp. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est le OG WhatsApp image. Ici, vous voyez, OG WhatsApp image, c'est ce côté qui va nous intéresser. Donc, là, vous appuyez dessus. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs fichiers. Il y a le fichier private, il y a le fichier sent. Et le fichier et en bas les fichiers. Donc ici, tous les fichiers qui sont en bas ici, c'est des fichiers que vous avez dans votre téléphone depuis bien bien longtemps. Vous voyez, ces photos même que vous voyez ici, c'est des photos que moi-même je ne savais même pas même que c'était encore dans mon téléphone. Vous voyez, c'est des vieux vieux fichiers qui sont ici. Vous pouvez le voir, je sais pas si on peut voir même la date. On va vendredi 3 février 2023, 10h59. Non, c'était pas aujourd'hui, je suis pas sorti aujourd'hui. Donc c'est la date d'aujourd'hui, ça nous donne. Sinon normalement c'est des anciennes photos qui sont ici. Voilà, mais c'est la date d'aujourd'hui, ça met à tout moment. Sinon vous allez retrouver vos anciennes photos que vous avez eu à prendre ici. Voilà, toutes ces photos-là seront juste en bas ici. Voilà, ça peut être des photos même de 2019, 2020. Donc vous allez pouvoir retrouver vos anciennes photos ici. Voilà, comme je l'ai dit, quand vous venez, vous écrivez OG WhatsApp et vous allez vous diriger directement où c'est marqué OG WhatsApp image ici. OG WhatsApp image. Et vous allez tomber directement sur ces différentes images que vous avez eues à envoyer ici dans Sainte, c'est les différentes images que vous avez eu à envoyer à certaines personnes. Voilà, dans Sainte et tout. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir retrouver vos fichiers avec cette astuce-là. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.